Salut à tous et bienvenue sur ValéPL TV. Et comment ça va les fous Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Showentel. Showentel en timeless. On me l'a sussuré à l'oreille. Timeless, Et du coup, me voici. Me voici, me voilà devant vous, devant vos yeux et pour faire un petit peu de timeless. C'est vrai qu'on attend un peu la prochaine extension là en standard euh, pour se renouveler. J'ai fait beaucoup d'explorer récemment pour préparer. Euh, L'Arena Championship 5, les replays sont dispo sur Youtube, si vous voulez aller les mater, n'hésitez pas, la portion Draft et Explorer, euh, Draft Explorer le, le premier jour, que Explorer le deuxième jour, les deux sont délicieuses, hein. franchement le, le Draft, on a eu des games super cool, n'hésitez pas. Me voici en timeless, euh, en attendant la prochaine extension, je ne sais pas combien de streams, de, stream, de replays vous verrez sur cette chaîne en timeless, peut-être ce sera le seul, je ne sais pas euh, à quel point la prochaine extension va vite arriver. Euh, par rapport à quand vous, vous voyez la, la rediff, en tout cas voilà, on s'en fait un petit peu, ça va être le rituel certainement, hein, souvent avant de certainement souvent, euh, avant une prochaine extension. Pas beaucoup d'actu, ok, on part faire un tour en timeless. Euh, et d'ailleurs, avec les prochaines extensions, enfin avec la prochaine extension, et toutes les nouvelles cartes qui rajoutent sur Arena avec l'espèce de, de liste spéciale là, ça va être un délice de rejoindre en Timeless après. Bref, avant de vous parler de la decklist, on met le pouce bleu en anticipation de confiance parce que ça fait plaisir, ça nous soutient, c'est gratuit. Dans les mêmes euh, paramètres, donc soutien, plaisir gratuit, on a l'abonnement. Abonnez-vous, ça nous soutient, ça fait plaisir, c'est gratuit et euh, ça régale en plus de ça. Ça fait plaisir et ça régale, hein, c'est pas pareil. Euh, merci au sponsor Play My Magic Bazaar. code valet PL2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à vous, merci à eux. Et merci à UltimateGuard. Lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, faites nos petits achats, ça nous soutient. Euh, vous pouvez utiliser un nombre infini de fois ce lien tout au long de l'année. N'hésitez pas à le faire de façon infinie d'ailleurs. Euh, dans les limites des stocks disponibles, évidemment. Si vous voulez nous voir sur Vox, c'est trois fois par semaine. Quatre euh, fois par semaine, pardon. Enfin, en ce moment, trois fois par semaine, mais normalement quatre fois. Lundi, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. Euh, en ce moment, on est plutôt sur mercredi, jeudi, dimanche. Euh, on n'a pas pu assurer certains lives le lundi, mais voilà. Globalement, si vous nous followez, euh, nous suivez avec le compte vendeur dans la description. Euh, vous êtes averti quand on part en live et surtout mettez le code la belle carte parce que vous avez 10 euros offert pour votre premier achat sur l'application. Quand vous créez le compte, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait ce deck exposé libre Donc show and exposé libre en français pour 3 en rituel. Chaque joueur va mettre un artefact, une créature ou un enchantement de sa ou un terrain de sa main en jeu. Bam, euh, du coup, nous on a les gros trucs à mettre en jeu 4 Omniscience, 4 atraxa. Si on a les deux, on va plutôt essayer de mettre Omniscience pour ensuite caster atraxa. Euh, mais ça dépend les match ups etc. Mais en gros, on va essayer de faire ça l'un ou l'autre. Euh, et puis on va tuer avec Atraxa tout simplement ou avec plein de spells gratuits. Euh, on a des tutors pour vraiment faire exposer libre très souvent. On a le précepteur diabolique, euh, les assemblées, l'équipe qui vont souvent trouver ce qu'il nous faut. Ou si on a déjà exposé libre, on va tuto bah, un truc à mettre en jeu avec l'exposé libre. Parce que si on fait juste exposer libre land, c'est pas fou. Ça profite quand même à l'adversaire. Attention, euh, on a l'Orient Revealed qui nous permet de nous fixer parce qu'on joue que 20 land. Et euh, qui nous permet de piocher 3 sur omniscience par, euh, par exemple. Fouille temporelle qui permet en, en mid-game d'aller chercher des trucs. Acquisition de l'esprit supérieur qui va tuto un truc dans notre side ou dans notre deck. Donc là bah, ça dépend de quoi on a besoin. On va essayer plutôt de le garder pour aller chercher un kill avec le side, après du second soleil typiquement. Euh, Portée par le vent qui permet de faire la combo en flash. Pour 2, on peut lancer des sorts de ce tour-ci comme si ça avait le flash et on pioche une carte. Ou au pire c'est qu'en trip. Euh, brainstorm x4, Messe Noir x4, Saisie des pensées x4, ça ça protège la combo, ça ça fait la combo euh, un tour plus tôt potentiellement, euh, et ça bah, ça permet euh, un peu de protéger la combo contre discard euh, et aussi de, euh, de creuser dans la combo avec les fetch notamment, ça marche très très bien. En side, on a des interactions pour éviter de mourir contre les decks zo aggro, poussée fatale x3, 4 voiles de l'été pour pas se faire contrer. Importé par le vent supplémentaire contre contrôle, je suppose. Trois euh, poignes Crozian qui détruisent artefacts ou et qui ont le split seconde, donc on ne peut pas interagir avec. Enfin, par-dessus, on ne peut pas répondre rien. L'inlet de vertu x2 euh, contre mono rouge, je pense. Vous voir les decks burn. Approche du second soleil, c'est un kill supplémentaire qu'on va laisser dans le side et aller chercher avec acquisition. Émissaire de Serra, qu'on peut aussi aller chercher avec acquisition d'ailleurs, potentiellement, qui va nous donner pro créature contre deck decks aggro, pro euh, éphémère. Voilà, on est régalé. On est parti, on va tester ça. Salut Flodino. Ah, je vois que sans vous le dire, vous avez dit bonjour à YouTube, vous me régalez le chat. trouvez un match, on est redescendu Gold, c'est le début de saison. Intemporel. Et il est où Intel. Go J'ai acheté le pet euh, Caillou du 1er avril, même si je ne l'ai pas activé. Wall de l'été contre Breach aussi, même si Breach est tier 3. Ok. Si vous avez des conseils, notamment pour le site, je prends le chat. Hein, je n'ai pas joué Timeless depuis la dernière extension. Donc euh, je ne connais pas trop trop ce qui se passe là. Enfin les decks étaient déjà là, je les connais, hein, mais les nouveaux decks, je ne sais pas. Salut une fois, je Alex. On joue contre Mine, le mien. On joue en premier. Exposé libre, de quoi le casser de quoi casser ça juste avant, ça c'est un keep magistral. On a une curve donc on va faire ça. Saisi dans Assemblée d'équipe dans Tel. Oh Il joue Tel aussi. On va lui laisser parce que ça peut nous profiter. On peut pas trop lui laisser Omniscience malheureusement. Donc on va espérer que son Assemblée d'équipe ne trouve pas grand chose. Il a trouvé saisi. Ah, un question de Kozilek. qui nous enlève exposé libre. Ou assembler l'équipe. C'est un très bon top deck, ça. Il enlève exposé libre. Bah, ok. Euh... Je peux lander ça, je pense. Je vais assembler l'équipe. Qu'est-ce que j'aurais envie de jouer sur son Tel? Attraque ça, une omniscience. Omniscience, ça me permet de casser fouilles temporelles, c'est pas mal. Hein. Et ça, c'est plus facile à casser à la main. Hum... Je sais pas trop. Je dirais Attraque ça. Quand même. Vous avez vu, vous toujours le garder pour contre omniscience. Voilà, il va chercher un truc à jouer avec ça. Oh. Il a encore une saisie, et il a son omniscience. Là, s'il fait exposé libre omniscience, je peux prendre saisie. Je peux lui enlever exposé libre. Et lui, il me fait. C'est si il m'enlève ça, c'est improbable. Je vais lui enlever Omniscience. Je crois. Ou j'enlève Exposé Libre. Je crois que j'enlève Exposé Libre. Je montre le Fetch qui connaît. On peut euh, Fruit Temporel ton prochain avec notre deux Fetch. Ouais, il va nous l'enlever certainement, mais. La bataille du saisie, classe de maître. Ah ouais, c'est un peu bizarre, surtout Mirror, euh, quand t'as pas joué au format depuis un moment là. Lui il a une carte bien morte, nous on a une carte euh, moins morte. Mindsorm bon, avec Fetch, c'est cool. Il peut pas exposer libre, euh... bon, il avait raison son omniscience je pense. Est-ce que j'ai des landes spéciaux à aller chercher euh... Je vais chercher un lande bleu, euh, tape. Genre goût. Ah mais je peux pas casser à en fait. Je croyais que j'avais une source de blanc. J'en ai aucune. Surveille un, ça on n'en veut pas. Ok. Fetch. Voilà, il remélange ses cartes qu'il a qu'il veut pas revoir. Salut Dark Demi Molle. <laughs> on est sur du timeless aujourd'hui. Je que Saisi aurait... Que saisie aurait dû défausser, tu vas piquer par Atraxa. Il n'y a que Draw 3. Toi, tu avais avec droit, draw 4, 3, 4 3. Ouais, ça dépendait mais... Il va chercher quoi Il va chercher saisie encore. Il m'enlèvera l'Orienne dans tous les cas donc... Euh... je pas besoin de garder Atraxa je pense. Quoique... Non s'il fait... S'il va chercher saisie, il m'enlève l'Orienne. C'est Wars de Land. C'est dommage. C'est worth de, euh, de le laisser défausser l'orienne, comme ça je gagne un Traxa pour son exposé libre. Elle lui il fouille, ouais. Il a eu des discards au. Il a eu de meilleurs draws, enfin de meilleures mains, de meilleurs draws. Et euh, il a eu des discards au, au meilleur moment. Je pense qu'il connaît Atraxa, il joue jamais Omniscience avec rien. Il aurait jamais fait Omniscience euh, tiens, je joue Atraxa. Après peut-être que je surestime euh, mon adversaire mais Là, il pioche deux cartes parmi 8, euh, parmi 7 pardon. un peu rude. Omniscience c'est que tous mes spells castés de la main sont gratuits. Pas mal. Hein. Oui. Prends connaissance de ma main. Elle est vide. Il a double tutor plus euh, draw. Euh. C'est un peu improbable. Ok. Ouais go. Je crois que là on veut euh, digue. Hein. On veut un gros piocheur. Ouais. On prendre ça. Fetch. Mais attends que le format n'est pas fun ou faux. Chouentel, c'est pas tier 2. Comment Legacy euh, Dac. Alors là, il peut reboser et jouer mon Atraxa. Donc je crois que je veux poser. Euh... Moi qui l'ai déjà passé. Je crois que je veux plutôt passer mon intraxa. Est-ce qu'il peut win instant hmm. Ah, je crois qu'omniscient c'est quand même mieux. On se battre à armes égales. Si et joue, je peux faire fouille euh, en réponse, essayer de trouver le spell qui donne le flash. Et je vais quand même attraper ça. Ok, il du trophée de l'assassin. Pour zéro. Ah j'ai pas trouvé le spell. Quel enfer Euh. Mais ce noir et ça, ça tue ou pas Je peux reprendre fouille, déjà. Et un tutor. Ouais, je crois. Refouille. Ok, j'ai ça. Ça et tuto. Ouais. Ou ça et omniscience. Ça et omniscience, c'est rigolo. Ça n'a aucun sens ce deck, j'adore. Euh, du coup, il faut que je joue ça. Omniscience. Je résous. Chercher un land. C'est fou ce qui se passe. Une carte en main. Ouais, j'ai pas de contre, je crois. Peut-être dans ma réserve. Sideboard. Sidebar, je peux tuto euh, Point Crozian pour lui casser ça. Ouais, je crois que je vais le faire. Mettez une cave dans, dans votre main. Point Crozian. Euh, et j'allais casser Omniscience. réponds <laughs> là tu t'approches, tu casses ça ça, tu gagnes. Ah oui, je pouvais... Euh... Eh oui, j'allais repiocher, effectivement Bon, je pense que si de toute façon j'allais avoir tracter sur le board et lui casser son omniscience avec moi en jeu toujours, je pense que c'était gagné. Et ben, c'est vraiment un deck euh, débile, j'adore. J'adore ce qui se passe. Hum... On n'a pas de contre en side, donc... Euh... On croit que Void c'est nul, ça c'est très bien par contre. Je rentre peut-être que deux. Pour aller tuto avec ça. Ah non, je, je peux les chercher dans mon deck. J'ai rien dit. Ça c'est fort aussi. Et ça, je me prends pas de discard. Quelle grâce. Lord Susu, est-ce que tu me conseillerais de rentrer les lines ou pas Là il faut sortir des trucs. Oh je sors ça, c'est nul, c'est trop cher, ça coûte 10. Messe noire, ça a l'air bien pour aller plus vite que lui. Très, je sais pas quoi sortir. Ah, peut-être Messe noire en fait. Nain, c'est contre 000 souvent, j'ai pas les de manches. Ok. Non, on va partir comme ça après, ouais. Il, lui, il joue les Inquisitions de Cosille avec l'air de Waouh, ça prend pas discard à double omniscience. C'est vachement bien pensé ce spell. Plus ou moins méchant que le moderne, ça dépend. Il y a des plus méchants, des des moins méchants, je dirais. C'est Mulligan ça. Ah, oh, sans déconner. Ok, ça c'est bien. Euh, je vais enlever un mari. Et je garde assembler l'équipe. C'est entre Moderne et Legacy. Ouais c'est un peu entre les deux. En fait t'as pas les bonnes réponses qu'a le Moderne, ni le Legacy, mais t'es assez proactif comme le Leg. Pff, non je crois que j'en veux pas être ça, je veux mon troisième land. Si tour 2 je fais assembler l'équipe. Euh, tombe aquatique. Je semble... Là je prends quoi Je prends omniscience au okay, cas combo. Plutôt qu'un land. Je crois que oui. Après, OTG, Famasra Legacy, tiens. Il y a les bonnes cartes qui rentrent, ouais. Notamment quelques spells gratuits. Ok. Nickel. Nice. J'avais peur qu'il fasse euh, le truc speed seconde, là. C'est marrant, s'il a un spell pour répondre, j'en ai un autre. <laughs> ah sur JK extraction, ça va ça va changer des trucs. Porté par le vent. Ouais, je vais pas lui laisser avoir des, des trucs en flash. Il en a encore. Il a fouillé elle ok. <laughs> euh, deux landes en jeu, regardez cette pile. Un trois landes et deux landes. Il y a Atraxa, fouille. Porté par le vent, fouille, fouille. Porté par le vent. Là, c'est la mienne. Il assemble l'équipe. J'adore ce deck, Evolve va kiffer. Ah, c'est sûr. Mais là, je crois que c'est euh, un peu compliqué Il avait un peu tout l'oppo. Hein. Il avait vraiment une très bonne main. Après on était en mouligan à 5, nous aussi. On s'en sort pas trop mal. Une autre Atraxa, ok. Ouais, il fait plein de value, mais euh, on n'est pas mort. Ouais, il peut casser une autre omniscience. De la discard. Ah, ouais, il a trouvé euh, acquisition de l'esprit, on est mort. Il casse, ça, approche de seconde scène, ouais. Il peut aller chercher. Ouais, un truc ça. Ok. C'était intéressant comme game, non. Euh... Ouais, oh, je crois que je fais ça. Je garde comme ça, je veux dire. C'est vrai que Pointe Croisiane c'est très fort dans le miroir. Faut être turbo combo, ouais. Ah peut-être que maintenant je dois les laisser. J'ai enlevé les saisies, genre tant pis. Ouais, j'ai l'impression que saisie, en fait c'est pas très bien. Il a Brainstorm, il a plein de tutors. Je vais en premier. Je peux assembler l'équipe T2, j'ai ça. J'ai exposé libre euh, sur un truc que je vais tuto, vas-y, équipe. Est-ce que je vais fetcher un, un Skyland Je crois que oui. Je vais chercher le vert bleu. Enfin un surveillant pardon. Ici contre les contresorts ou qui sur main deck, ok. Euh, on a dit labyrinthe. Labyrinthe de haie Très bien. Pays de PEV. J'assemble. Assembler, je suis pas sûr de trouver un truc. Ouais, on va assembler quand même. J'ai aucune omniscience. Et j'ai rien trouvé. Oh sur le tiers du dessus, j'ai rien trouvé. Ouais, je vais prendre ça. Hein. C'est dur là. Je me suis dit que d'été, je préfère aller chercher un truc en réponse à sa pile pour, euh, pour le rect. Et que euh, j'avais quand même 8 cartes à trouver. Sur euh, un tiers de 50, c'est combien sur 14. Non, plus. Sur 16. Ouais, c'est vraiment euh, en patchat chat ouais, Lui, il fait des t ouais. Ah, il joue mieux, hein. Bon, après, on a pris de quoi casser son... son jouet, donc au final. J'aurais pu exposer libre. Je vais aller chercher un truc à jouer, une omniscience du coup maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est naze. Non, mais j'ai gamble en me disant que Assemble, ça allait me trouver les mêmes choses. Oh Ça allait me trouver les mêmes choses et du coup, j'étais ok avec. Avec le fait de garder DT, mais non, j'ai rien trouvé. Parce qu'Atraxa, c'était ok, hein, que je trouvais pas omniscience. C'était déjà ça. Est-ce que j'ai exposé l'Ipsa, sachant que moi j'ai point de croisière et que c'est moi qui aurais la Prio Je crois que oui. Je crois que c'est ok. Euh. Je rien. On y est là. Je tente. J'ai piocheur et tout. Allez, mine, laisse résoudre. ce qu'on met tous les deux en jeu, puis la on revient. Du coup, là, je peux faire ça. Hop peut pas répondre. Euh, il vaut mieux que je fasse ça. À zéro. Pas un brainstorm, je ne vois pas ce qu'il a pour un. Je vais prendre Atraxa et Assemble. Ouais. J'assemble. Waouh. Quel gameplay Qu'est-ce qu'on en pense de ce gameplay les gars Je trouve que Magic ça fait des choses très belles des fois. J'ai pas dit que là c'était très beau, mais des fois Magic fait des choses très belles. Meilleur dès que je l'ai dit. Let's go. Hein bon, on est parti. C'est vraiment nul ce deck. <laughs> Après le mirror Genre c'est vraiment C'est vraiment la même chose quoi, donc C'est pas zinzin, j'avoue. Bon si jamais je tag trois fois genre Mirror, on va essayer de build un autre deck si j'ai assez de wildcards pour proposer autre chose. Gameplay de con, mais de temps en temps c'est marrant. Pas vraiment le MTG que j'aime ça. Euh, J'ai mes Noir dans l'exposé libre, mais qui trouve rien, mais c'est pas grave. Pasteur, institut Pasteur. Ils sont pas prêts pour Domeset si vous trouvez que Schwentel c'est con. Ah, mais Schwentel t'as vraiment le côté euh, simple, gras quoi. Ah, fin mirror, c'est bon. Allez, on va aller se foutre un petit land au cimetière. Euh, les égouts. Oui, les égouts. Non, pas ça. Dommage, je ne pourrais plus le faire chez lui du coup. Moi, je brainstorm. se <laughs> suturbu. Orkish. Comme prévu. Ouf. J'ai des trucs là. Oh, pourquoi c'est pas noir Chwentel Là j'aurais fait land, messe noir, exposé libre, omniscience, attraxage, ça ça, j'ai gagné. Euh, je vais garder un exposé libre au cas où. Je vais enlever sanctuaire. Sanctuaire et brainstorm. Pan, pan, pan. Voilà, on va essayer de gagner le tour suivant. Là, on ne euh, prend pas de discard. On prend double discard, par contre. Salut pour 85. Bon, pour le cas de équité j'arrive, je vais au master, je suis régalé. Ah, tu vas voir euh, d'autres choses aussi pour 85, ça va te régaler. À moins qu'il me tue en réponse. Oh, le lancelot, comment il va C'était bien ce petit jeu de sauce hein Tu vas prendre contrefort. Oh, ah, ça joue ça maintenant Eh ouais Ah, je crois que je suis mort là du coup. Ah, bah non, j'ai mes noirs. Cheater. Euh. Marée. Lol. Omniscience. Yes. Un point de dex. Fouille temporelle. Assembler l'équipe. Ça. Yeah. Trop bien ce deck. Euh, approche. Que s'approche. Attraque ça. Merci. J'ai rien fait. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Donc, contre lui, quatre voiles de l'été. Pousser fatal. Quoique, poussée fatale, peut-être pas, hein. Orkish, on le gère. Orkish, c'est ok. Meilleur deck. Est-ce que je veux ça Non. Désolé, mais je suis pour tes oppos ce matin. il n'y a pas de galère, tout dans Squirrel. Je peux être ton arc C'est contre Zo spécifiquement. Ok. Hmm. Ça, j'ai pas besoin contre lui. C'est vraiment pour le miroir, je pense, porté par le vent. De l'inlay, tu peux retirer deux flashs normalement. Ouais, je peux retirer tous les flashs même. L'inlay, c'est bien, ouais. Je crois que saisie, c'est pas bien. Hein J'en garde une pour la forme. Go. Ouais, très chouette, Château Blanc, une tour clinique. Un peu convaincu pour le premier, bien que euh, Nominas d'or, mais clinique très chouette. Ok, je connais aucun des deux. Ah, je crois que j'aurais du mal à te stream un truc aujourd'hui, Lancelot. Mais si t'es vif euh, cet après-midi, euh, peut-être, peut-être, euh, peut-être une petite, euh, petite demi-heure, tu vois. J'ai des messes noires à ah, Rumumé je, euh, C'est dur contre lui. Faut Il faut qu'il commence. Non, je crois que c'est un Mulligan, ça. Oh la one of idées pensées, on fait rien d'autre hein, là. Non. Ouais. On va voir, faut trouver des landes, par contre ça c'est sûr. On va trouver un land, c'est très bien. Un troisième land, oui, on a besoin, donc euh, go. Salut Baba Vegas. Comment tu fais pour être omniscience au tour 3 Avec Show and tell. Ça permet aux deux joueurs simultanément de mettre un artefact, un enchantement, une créature ou un terrain en jeu depuis leur main. Et du coup, je mets omniscience. Hum, J'assemble J'essaye d'assembler Ou je prends trop fort contre Non, je crois que je prends trop fort contre. T'avais besoin de Schwentel plutôt que le land là. Nice. Termine le tour. Attends, tu fais contrer, mais ça fait un contre en moins. Ouais, mais sachant que j'ai voile de l'été et que je peux aller chercher l'endvers. Euh... Oh, il est régalé, le... lui là. Le petit gars. Là, je peux assembler tranquille. C'est à l'opposé de bouger. Il me laisse résoudre. Bah, je vais résoudre exposé libre. Enfin, je vais prendre exposé libre, je pense. Il attend que je fetch ça n'arrivera pas. Mmh, donc ça arrive maintenant. J'ai pas de lande Golgari, je crois, ce qui est un problème. Il faudrait ajouter un lande Golgari dans la decklist. Mmh. Je cherche un land vert bleu. Je le fais parce qu'il peut pas contrer. Oui, une décor pourrait passer sort. Ouais. Bah là, si je trouve l'onde... Euh... Ah bah non, même pas. Je fais messe noire. Euh... Ok. Je fais juste messe noire. Exposé libre. Et j'évoile de l'été, à euh, d'après, près, même si je trouve pas de land. Une créature qui a un contrôle contre moi, exiler à la place. Oula Pas compris. Je tente. J'ai trop mal à noir. Est-ce qu'il a deux spells Counter spell. Oula je vais y refuser. C'est intéressant d'engager. Ah C'est rigolo ça Je peux lancer 3 spells par tour. Non. Un. Ouais je peux lancer 3 spells par tour à peu près. Otawara. Euh... Oh, je peux payer juste un en fouille. Trop bien. Je peux trouver du coup une autre fouille que je peux recaster. J'ai plus les spells flash là par contre. Je peux reprendre un autre exposé libre. C'est n'importe Désolé, c'est n'impe, hein. Je retrouve une. Let's go. Euh, avec 4 ça Je crois. Ah oui, hein. C'est n'impe. Là, j'en ai plus, par contre. Hum, je prends combo et... Euh, et ça. Il coûte cher mes spells. Euh, land. Exposé libre. Je peux me prendre Pierce. pas entrer et prendre une croisiane contre ça. Euh, je vais caster mon Atraxa maintenant. Il... Euh, Qu'est-ce que je veux dans le doute Ça. Non, euh, non, pardon. Lui. Ça. Ouais. Bon. Je vais me défausser un petit land. Ça, j'ai vol de l'été. Il faut que j'y rattraque ça, ce qui est pas évident. Et ça, ça le bloque un peu aussi. Lui, il n'y a pas omniscience. Hein. Donc le premier il n'est pas gratuit. Euh. Pioche 5. Euh, non. 5 dégâts, pioche 2. C'est beaucoup de dogs j'ai pas eu pardon quand on voit la magie bon la magie va bien je pense si tu, si tu observes ce qui se passe sur le terrain c'est rigolo quand même hein nice du coup si je mets en licence ils sont deux fois gratuits la spell euh... je vais caster ça à zéro Il y a un plan de jeu fer et j'ai omniscience. Franchement, c'est c'est chaud quoi. Ok, c'est contré. Mmh. J'aurais pu saisir avant de... Ah, je pouvais pas comme dans le tour si je faisais saisir avant. Je vais pas lui montrer ça. Je vais faire ça. Euh... Je sais pas ce que je cherchais là. Oh, le d'été pour qu'il touche pas à Traxa. ça. Mmh. Et ça. Ah, du coup je lui monte mais au moins il peut pas me faire discard et je lui rattraque ça. J'ai pas l'endé Chité. Yep. Ok c'est perdu monsieur Kakaji. Kakaji Sensei. Il peut avoir un autre Tawara. pour rattraque ça, ça je peux rien y faire. Il existe son un cimetière, puis j'ai une carte. Et eh oui, il ne peut pas me cibler. C'est 2-0. Hein. Je n'en peux plus, toute cette violence, moi. Si j'en peux encore. Et je m'abuse bien là, j'ai l'impression de tricher au jeu. Euh, J'avoue que je m'amuse bien. On est parti. On farme les, les petites quêtes, on fait les petits gold, on prépare euh, notre écho pour, euh, pour l'extension qui arrive, on va tout dépenser. Bon du coup, deux games, un seul mirror. On va voir s'il y en a vraiment tant que ça. Impression Non, c'est pas qu'une impression. Faut que je préco d'ailleurs. Il ouais, faut, faut y pincer. Bon pour la préco Arena, je crois qu'elle est pas sortie encore. Je crois que c'est euh... ça va arriver dans la semaine là. Peut-être ce soir d'ailleurs. Amrita. Oh, tour 1, messe double saisie. Tour 2, assembler l'équipe. Rien. Je crois que je garde quand même. J'ai fauche carte. Fauche carte. Faut que je pioche une carte parmi un 12. Oh là là. Le June gentil. Les gars, je fais mes noirs triple saisie. Je défonce sa main. On va pas faire ça. Oh, vous imaginez, je fais ça. Je suis dégue. Hop, méchant. Carte de combo ça. Hein Quoi je te vois pas venir hein, toi. Oh nice. Euh, du vert bleu. Genre ça. Oui. Go. Toujours pas d'omniscience. Euh... attraque bah, ça. Hein. Après, je peux exposer libre. Je peux saisir exposer libre. C'est vrai qu'il est fort ce deck. Hein. Tu vois qu'il est bien fort, bien monté là. Moi, ça me régale. Quand on fait des trucs comme ça là, je suis conquis. Oh. J'ai trouvé le land tap Messe noire. Gatmana. Saisie. Rien. Exposé libre. Atraxa. Il met un land. Trigger. Omniscience. Éphémère. On veut quoi Bon elle est pas folle hein, celle-là. Hmm. Ouais. Oui. Combien j'ai de cartes au cimetière 6. Du coup il faut que je prenne une autre source de bleu. Ah bah j'ai une autre source de bleu dans la main. Ouais. Je crois qu'on prend ça. Et là on n'est pas trop mal. Le mec il a joué deux bêtes il fait rien d'autre que trop piocher des landes. Ah ouais, ça, ça va pas être euh, pas être trop trop dur. Ah si j'avais pris Messe Noir, je pouvais euh, Messe Noir assembler l'équipe euh, Show and tell Omniscience. Bon, déjà on va mettre 7 points. Il a son beau Zéjou. Pan hein. bon. J'assemble. J'adore assembler les équipes. Pas de Chwentel, ok. Attends, mais assembler l'équipe, ils sont pas ouf, ce matin. Hum... Pest. de tour. Oh, il passe à 7. Il va faire un... Un fou dégagner 3 pèves. Il repasse à 10. Il me faut encore 3 coups de Atraxel pour le tuer. 1, 2, 3. Je sais pas si c'est one card combo. Oh, il y a un humain là. C'est 4... ah, 5 couleurs combo? ok je peux recycler pour une île mmh. windstorm U. Les omnisciences. Pays de pev. Tout ça. Non, pas paiement auto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exposé libre. Pas de noir Ça. Goût. On va essayer de faire un, un tour d'après. Oh, il repasse à 6, voire 9 avec son food. Oh, il fait une foule des enfers, le pauvre. On est mind deck, donc je pourrais trouver le spell qui me donne. Euh... Euh... Qui me donne comment s'appelle Le flash. MS Noir. Je crois que là c'est bon du coup. Parce qu'en fait il va me casser euh, ça et moi je veux faire des trucs euh, entre temps. Ah bah non, mais si je fais ça et ça, je fais rien d'autre. Je suis un peu con moi. Et oui, parce que j'ai pêché le tour d'avant. Je sais jamais s'il a pêché autre chose qu'un land. Oh, bah il avait pêché autre chose qu'un land. Non. Imaginez, je fais exploser libre. Exploser libre. On commence à voir un peu plus clair à ce qu'il fait. Un food. Trois pèves. Il peut bloquer et regagner encore trois PV. Double messe noir, c'est nul. Je vais quand trip avec ça pour voir. C'est nul. Un food. J'ai un peu trop la game pour accélérer pour gagner et au final j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Bon, on a réussi quand même. Hein. Mais c'est vrai que si je joue combo, il s'en fout qu'on soit à plein de PEV. Lui, je sais pas du tout ce qu'il fait. J'ai l'impression que je vais juste rentrer des pouches pour des saisies. Porté par le vent, c'est moins bien que saisie. J'en laisse deux quand même au cas où. Ah, il joue Winota Ok, merci, tonton Squel. Oui, ça fait sens du coup. Ah, donc saisie, c'est un peu mieux, ouais. On enlève encore un porté par le vent. Et je vais enlever un petit brainstorm pour une saisie. Euh, ça, je peux aller le chercher, mais c'est peut-être bien de l'avoir main deck. Si je joue Winota, je vais un brainstorm. Une messe noire. Parce que j'ai qu'une seule carte qui me permet d'aller chercher. Mais là j'ai des chances du coup de pouvoir le mettre en jeu tour 3 et je dis pro créature et il a un peu perdu le pauvre. Ok. C'est chiant de ça parce que tu sais pas si tu veux garder pour exposer libre ou pas. Faites ça, je l'enlève. Oh Alflin. On peut lui laisser faire son mana. On va pouvoir brainstorm peut-être euh, avec fetch. Il peut pas Orkish. Oh, bon de toute façon il joue ça. Ah là je pense que ça doit être un peu mieux. Où oh, je trouvais mon troisième land. Donc là je peux brainstorm, fetch, saisie. Ok, donc on peut enlever Atraxa. Et un land. Et c'est là où l'Anglogari serait bien. J'ai encore besoin de noir. Peut-être pas d'un noir bleu, un simple marais suffit, non Ouais, économiser quelques pèves. Oula Alors, Winota, c'est dans très longtemps. Ça, je te laisse volontiers en main. Donc, on va prendre. Ah non, il prend un permanent ciblé. Donc si je joue euh, Omniscience, lui il va me piquer, il me le va piquer. Donc il faut un peu de voile de l'été en fait. Bon, dans tous les cas je vais lui enlever Wador. Il peut caster. Ah il peut win on d'après. Vous savez quoi On va re-brainstorm. Symbol the team c'est cool. Ça j'ai pas besoin d'autant. Peut-être pas besoin de... hop si, Faut que je fetch pour euh, bazarder, pour aller chercher ça. Faut que je peux enlever ça et ça. Ok. Fetch ce qu'il y a au-dessus. Je peux exposer libre, omniscience. En réponse, il me la pique. Moi, je peux faire double fouille temporelle. Est-ce que c'est le meilleur play Je crois que oui. Parce qu'Exposer Libre, en que ça, je me ma value, mais il me la pique. Ouais, je crois que c'est mieux. En espérant qu'il me tue pas. Je crois qu'il trouve deux Landes d'affilée. Ok, Boromir, ça me va. Allez, on y va. Exposer Libre. Ça. Trigger et crée une 1-1 euh, indestructible donc push ça marchera pas. Boromir ça te ruine. Ah putain, j'avais pas vu la deuxième ligne. Je pensais à. Ah bah oui, J'avais pas vu la deuxième ligne de Boromir. Je m'étais arrêté à sa protection de borne, je pensais qu'à ça, mais c'est vrai qu'il y a cette ligne-là, parce que je le joue en décès. je jouais avec et contre. Et euh, en décès, on se servait que de ça quasiment. Quoi. Ça, c'était vraiment très rare, à part Force au genre. Chet euh, Du coup, contre lui. Pousser fatal, en fait, c'est pas si bon que ça. Voile de l'été, par contre, il nous les faut. T'as fait une Valentin, t'as pas lu la carte. Bah, C'est une entre-valentin entre parce que j'ai pas lu la carte en la connaissant. Pas parce que je la connais, mais en fait je la connais pour certains effets, pas pour les autres. Du coup, Boromir, ciao quoi. C'était bien pioché quand même du coup ce Boromir euh, sur le tour de Schwentel. Parce que je, je m'étais dit, ok, je donne omniscience, pas grave. Je vais piocher 4 euh, de mon choix. Je vais sûrement réussir à refaire la combo. C'est ok. Et non. Hum... Du coup, ça il m'en faut finalement. Saisi, c'est bien. Ça c'est très bien. J'enlève quoi du coup J'enlève encore un peu de brainstorm et de messe noire. à ah, voile de l'été du coup, euh, ça contre son side. Notre première défaite. Bon, on a fait que deux victoires, hein, mais le deck avait l'air tellement solide. J'ai saisi, assembler l'équipe, ouais, on va tester ça. Hein. Après, il peut top decker des trucs qui nous, qui nous recte, hein, mais. À Sa main, elle fait pas grand chose, donc on va l'enlever la carte qui nous recte. Deux points de vie assemblé et on va euh... ouais on va exposer libre hein. ok on connaît une seule il enfin, y a une seule carte qu'on connaît pas on espère que c'est pas Boromir ou autre là faut y aller de toute façon on a top deck euh, précepteur en plus si c'est pas une carte qui nous règle, on a gagné Dommage. Il n'y a qu'une seule carte qu'on ne connaissait pas. Il euh, y avait de grandes chances que ce soit pas ça. Tu là haut Le top deck de notre ami euh, Amrita. Ah ouais, c'est bien. Hein. Omniscience. En vrai il n'y a qu'une seule carte que je connais pas. Euh, je peux rien faire d'autre. Euh... Il y a de grandes chances que je combo, je gagne. Et bon, bah, il a acheté l'agent traîtrise, tant pis. Ouais, c'est le timeless, c'est ça, exactement. Euh, je vois pas ce que je peux faire avec ce précepteur. Il me reste un mana. Il faudrait que je mette ça en jeu, en fait. C'était bien, cette game, dis donc. Non, pas vraiment. Pas très, pas très très bien. Yep. Si je suis un peu plus patient. Ah, mais j'ai pas de tuto donc. Euh... Quoique si j'ai précepteur diabolique en fait, je suis con. J'aurais du précepteur ange de serra, exposé ange de serra. Là, il pouvait me prendre omniscience mais pas mon ange. Et il battait jamais mon ange, je crois. C'était peut-être mieux. Go. 2-1. Hein. Bon c'est pas grave, en vrai là c'était euh, genre à la 2 on s'est attrapé par le side, à la 3 on s'est attrapé sur le top deck. Heureusement que euh, ce deck peut perdre quand même. Mais je crois que si je joue un peu mieux, donc en. En vraiment tournant autour de la seule carte qu'on connaît pas. Donc on va chercher ange et je crois qu'on gagne, ouais. Ça m'a juste avant en plus, donc bon, compliqué de se dire qu'il y a draw tel truc. Bah c'était possible, mais genre il euh, y avait qu'une seule carte. En fait, il y avait deux draws inconnus. Puis euh, il a joué une des cartes qu'on qu n'avait pas vues. Donc il n'y avait plus qu'une droite inconnue. Je me dis, bon. Même Boromir, c'est ok. Il met en jeu Boromir. Euh, je peux jouer une game, mais j'ai Omniscience. Euh, on verra. Je peux essayer de gérer Boromir, peut-être. Euh, mais là, non, du coup. Ouh, c'est très mauvais, ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Et on vire ça. Zou. On peut assembler dans un. dans un land, si on n'en trouve pas autour d'eux. Magnifique cette tombe aquatique, version Ravnica. Avec la guibole là. <laughs> ok. Là voilà, du coup si je peux assembler l'équipe. Eh non, si je trouve. Si je prends Omniscience et que j'ai pas de land. C'est chiant. Donc je crois que j'ai plutôt recyclé. Euh... Ceci Non. Elle est où Là. Ça on s'en veut pas. Bromir j'aime bien en DC c'est mignon. Ouais c'est un peu... Un peu le cul entre deux chaises, je trouve Boromir, mais... Euh... Mais c'est... Oh bah on est fort. Mais C'est cool. C'est Jimir contrôle genre On va voir ce qu'il me propose à assembler l'équipe. Il me le contre. J'en ai pas besoin. Je vais voir un peu ce qui se passait. Oh Ah on peut piocher Brainstorm donc Ah euh... oh, ça c'est de la merde. Là si on se fait contrer on est aux fraises donc euh... Quoi qu'attendez, fetch, 4, contre, 5. Non, ça nous débloque fouille temporelle si on se fait contrer, mais... Extension de c'est et connecteurs de jeu PL oh, Normalement oui. Mouais. Enable overlay. Normalement oui. Pardonnez l'adversaire. Je chante un petit fetch. Il joue pas de Shanna parce qu'il a lui russe en compagnon. On va chercher labyrinthe. On met une petite carte là-dedans. Non. Là, je peux me le faire contrer. J'en ai deux. Il va repiocher ça. L'avantage, c'est que j'ai un. Une temporel Ok. C'est vraiment hard, hard control, quoi. Merci beaucoup, uh, Hide44 pour le Prime Gaming. Et il veut Draw 2. Yes. Je vais lui rendre ça obsolète avec euh, fruit temporel. Non, genre tu as téléchargé un mode juste une extension Twitch. Pourquoi pour Untap Il faut télécharger Untapped. Et dans les paramètres, il y a euh, connecter extension Twitch. Ça Wincon, euh, ça doit être de la value avec le russe, ou peut-être un Manland ou quoi. Et il laisse résoudre, quelle délice. Très envie de prendre ça du coup. Un petit assemblée d'équipe. My turn. Oh, messe noir, mais c'est bien ça. Faut que je fasse ça maintenant. Mais du coup, il me compte pour 3. Non, je peux commencer par ça. 3 manas. En fait si je monte à 3 ça ça redevient actif. Là il peut pas me contrer exposer libre avec ça, il me le contrer avec ça. Du coup il me reste 3 mana, je peux assembler l'équipe, ouais, et rien faire d'autre en vrai. Ah ça c'est pas mal. On refouille. Saisi, c'est cool aussi. Hein. J'aurais aimé saisir plus tôt. Bonjour, Velcro Vélos. Il noie le lock. Je peux enlever ça et ça. Fetch. Une île. Un Sanctuaire mystique. Sanctuaire mystique sur saisie, c'est pas mal ça. Je suis pas en mana noir, ça n'a rien de précepteur. Précepteur, mais je remets ses yeux au dessus. Je suis pas sûr que ma masse noire a été très euh, value. En fait, ça dépendait, s'il faisait une erreur, elle était full value. Mais... Bon, au bout d'un moment, il n'y a plus de sanctuaire mystique, hein. il va arrêter de reprendre ses mêmes cartes en boucle. Kémana noir, donc si je veux faire plusieurs plays noirs, je pense à remettre ce noir. Ça, c'est un des pires match-up, je pense. un full contre. Euh, de il des discards et tout. Ouais. Moi, j'ai fetché pour reprendre jouer. Il a fetché pour reprendre jouer. Statu quo. Une Gearulke à mon avis ah bah non je suis con il y a Muruz euh, donc il y a pas Gearulke ouais je sais pas ça va être long ça va être très très long C'est Orky, chez où snappy le kill en plus de l'urus Ah ouais, que ça Oh, c'est marrant euh, Si j'avais le truc qui donne éphémère, je crois que je gagnais. Enfin, je faisais ma combo. Messe noire. Ah non, j'ai plus de nord. 3 mana noires. 2, je fais la combo. Il me reste 1, 2, 3, 4. Ouais. Ça. On va passer le tour, hein. En son de sauron. Ok. Faut que j'essaye de le bait. En vrai, tu peux pas trop bait avec ce spell. Faut que je le bait pour qu'il rejoue ça. Et s'il prend le contre et le land, bah, il a pas orkish ni le truc. Ok. Il va peut-être faire l'erreur, là. À moins qu'il ait un spell pierce. Orkish dans ma tête. Hmm. On tente, là, les gars, ou pas oh, Il a juste counter-spell. Si j'ai deux manas noirs, je pourrais tenter un précepteur pour le faire bouger, mais vas-y, vas-y. Oh. Je veux pas qu'il ait counter spell. Ouais, je crois qu'il va prendre counter spell et... et le fetch. Faire les taille-têteurs, ouais, mais if il sculpte sa main depuis le début, il rejoue ces mêmes cartes, c'est c'est impossible. Genre, c'est marrant, il m'a laissé des fenêtres, et maintenant que j'ai vraiment la carte, il la laisse plus. Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur ou juste c'était voilà, au hasard? Deux points. À deux mana d'omniscience à la main, il me failli quoi comme demain? Il va falloir miroir, j'ai affronté euh, 5 ces combo qui nous a battus et euh, je sais plus ce que c'était l'autre. Grixis, ouais. Grixis, euh, contrôle, euh, tempo. Babiol de miche. Vas-y, vas-y, regarde la carte du dessus. Il y' a pas de galère. Il va juste garder des contre-up et, et nous tuer, sait qu'on pioche quoi Une messe noire. Hmm. J'ai deux manas noires, donc là je peux faire ça maintenant. Il me laisse résoudre. Hmm. Je peux porter par le vent. Messe noire, messe noire, exposé libre, exposé libre. Non, porter par le vent. 3, 4, 5, 6. Oui, je peux faire ça. Je tente. Mmh. Ouais, je crois qu'il faut tenter double combo. Hein. Je peux le faire en éphémère. Il va me jouer un spell fin de tour là. Il va se chercher son quatrième sanctuaire. Ah non. Ok. Les gens qui jouent ça... Généralement, c'est les gens qui connaissent très bien le format, je ne joue pas contrôle juste au hasard, donc euh, je pense qu'il sait pour ça. Et ça va être très chaud là. J'y foutrais 4 orquiches aussi, moi. Beau marais. Je peux prendre le russe en main, je pense. trois mana. Un point. Je me fais double contrer de toute façon. Ouais j'ai perdu cette game, je vais jouer juste comme de la merde pour le plaisir. Et là il ne sait pas ce que ça fait. je pense. Ah, je vous dis les joueurs de contrôle, ça connaît généralement très bien le format. Putain il joue même pas ça. Il m'a révélé une carte de plus. Il garde son contre-piocheur. Dommage hein. J'ai qu'un exposé libre. Waouh! Ouais, en fait, c'est des landes et des contres et euh, 4 quoi. C'est vraiment un match-up dégueu. Avant side. Après side, c'est toujours dégueu, mais moins. Bon, on va partir, on va gagner du temps. Là, je voulais juste voir hein, si jamais il commettait une bévue, on pouvait combo. À un moment, il a fait une petite bévue, on aurait pu combo, mais on n'avait pas la carte. Donc, il a eu chaud. Euh, voile de l'été. Inlay, c'est bien. Ça prend... Protège de Discard et d'Orkish. Lucas, Sam Caster aussi. Ouais, mais me ça m'empêche pas de jouer. Ça met juste deux points par tour. Ça, c'est très bien pour combo. Ça, du coup, c'est bien pour Orkish ou pas Non. On va enlever Brainstorm. Hmm. Ça, c'est fort contre lui, mais il ne faut pas l'enlever. Je peux coter genre une fouille. Et genre deux lauriennes Non, je vais coter deux fouilles et une laurienne. Go comme ça et on espère une bonne main. Après Side, c'est pas dégueu non plus, c'est pas délirant après Side. Oups, oh, pardon, je vais donner un coup de poing au micro. Jouer en premier. C'est une belle main de merde, ça, on en pense quoi? Ok. Pourquoi j'ai gardé ça en fait? Je suis en train d'infliger autre chose. Faille moule sens. Aucune raison de garder cette main, elle est vraiment nulle à chier. La bien. Euh... C'était pas un land qui devait sauter là. Ah bon Tour 3, je peux droit 3 avec mes noirs. Non. Ouais, si je vais fetch pour aller chercher un, un peu de surveille, ouais, je peux chercher un Traxa, on est très content. Ça manque vraiment d'un. Faudrait que je change d'ailleurs, je savais deux fois que je le dis, trois fois même. Ça manque vraiment d'un Billion de Golgari et, et d'un euh, petit land de genre blanc juste pour caster un Traxa à la main, on sait jamais. On sait que maintenant, Traxa, j'y crois pas trop en Timeless, mais. Jimmy Control qui va adorer son maladrain. Maladrain, ça va être restreint, hein, je pense. C'est vraiment broken comme carte. Merci, décapeur 93 pour le Prime Gaming. J'ai vu un truc à mon upkeep. Qui. Okay. Yep. Ouais, il va y avoir un Mana Drain, ouais. S'il ne le limite pas un Mana Drain, euh, je comprends pas trop, parce que c'est vraiment... Euh, c'est complètement cassé comme carte. Bah, genre, quand je joue Cho'entel, c'est vrai que vous allez dire je suis mal placé pour dire ça, mais... Cho'entel, c'est 3 mana et tu donnes une opportunité à l'adversaire. Bah, typiquement, il y a un adversaire, il nous a battu parce qu'on joue Cho'entel. Euh, il a notre propre carte pour nous battre. Euh, alors que counter spell et je fais autant de mana avec le coup de ton spell c'est juste craquito quoi après ils vont peut-être pas le limiter au début pour voir ce que devient le format et, et ils vont le limiter en fonction peut-être c'est une meilleure solution ok Là, s'il a pas spell pierce, encore une fois, il meurt sur combo. Hein. Franchement. Euh... Les égouts. Ça m'aide, mais là. Euh... Mais là, non. Et je recycle ça, je pense. Du coup. Je tombe aquatique, ouais. Ah bon, pioche ça finalement. Ils joue au full contrôle, l'oppo. Il y a bien le droit. Et bonjour Sunbro, sur à quelle heure Pour savoir quand je pourrais continuer à bosser. Euh, il est quelle heure Midi et demi euh, Vers 13h, je pense, que je vais cut. Entre 13h et 13h30, ça dépend où on en est des games. Parce que genre si je retaque ça... Euh... Bon, en vrai, je peux concéder des taux, hein, Parce que le matchup est assez dégueu. Mais c'est moins qu'avec un deck comme ça qui existe, Shoentel euh... soit tiré, T'as une petite fouille. Non, pas paiement auto. 1, 2, 3, 4, 5. Oula. Je sais pas ce qu'il a fait le jeu. Je peux envoyer un petit voile de l'été là, éventuellement. Pour protéger ça. Et si ça passe pas, on fait un peu rien. Il n'y a pas de contre à zéro donc des fois tu vas juste plus vite. Ouais, c'est quand même chaud. Hein. Quand je commence avec euh, tout dans la main, lui il a fait l'antape tour 1, moi je fais mes Noir combo, ouais peut-être, autour d'eux. Mais genre... Euh, pas évident. Euh, on veut euh, remesse noir. Et refouille. Et sinon ça fait 4 manas pour fouiller. Ouais je crois. Faut qu'il ait double contre. On peut essayer. Je peux combo pendant son tour aussi. Ou alors il peut faire une bévue. Il fait un petit torquish maintenant. Euh... Ou un piocheur. Ou un fetch. Si il fetch, il aura du mal à combo. Au fait au combo, est-ce que je voulais faire? Je tente deux messes noires. Ça passe. Je tente de porter par le vent. Je tente d'exposer libre. Il, il peut avoir pire et, euh, et un contre. Hein. Mettre archer orc. Ok. Il avait le pire, ça. Et ouais, il doit pinguer sa bête. Là, on va mettre en jeu à ça Bon c'est pas game, on a juste mis en jeu à, on joue à ça et on pioche des cartes, mais ça nous aide bien. Ça évidemment, créature, enchantement, on peut pas casser ça, donc plus d'omniscience. Un seul terrain. Et beaucoup de rituels différents. Je reprends l'exposé libre, je crois. puisqu'on qu'on a un voile de l'été. Vas-y, tu peux fetcher. On peut cibler l'Orc sans qu'il meure en ce cas de figure. Ouais, parce que tu vas mettre le marqueur et le dégât en même temps. Au bon, master à définition du power clip. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je vais enlever ça qui connaît et ça qui connaît, Si on a une autre. J'ai combien de heal Ouais, j'ai assez pour trigger euh, la sanctuaire. Tu vois que tu peux une contre ce deck. Ouais, mais là, c'est parce qu'il fetch. Alors, euh, normalement, son play, c'est juste rien. Continue, continue. Il n'a pas besoin de fetcher maintenant. Et, euh, et du coup, il bah, faut que j'attende qu'il fasse une bévue En gros, si j'attends qu'il fasse une erreur, euh, et que je gagne là-dessus, oui, mais je gagne sur les erreurs de mes oppos, pas, euh, pas contre le deck. Là, si je gagne cette manche, par exemple, je gagne pour, euh, sur une erreur et pas sur, euh, sur le match-up. Après, j'ai pas beaucoup fait le match-up, hein, mais juste ça me paraît un peu dur. Le chez 2, c'est cool, mais j'ai qu'une source de verre. Bon déjà on va proposer 7 points. Il en chiera peut-être à gérer cette Atraxa. Je peux sanctuaire reprendre mes noirs, c'est rigolo. Mmh, ouais. Si tu enlèves celle qui n'est pas révélée, c'est la Oui, Oui mais euh, C'était pour le choix de mes cartes en tout, c'était pas pour le choix de laquelle. Je me suis mal exprimé, René Funk. Euh... Terminé tour, pardon. Je crois que j'ai déjà fait un tour. Et là je recombo. Non je rigole. Alors si je fais fouille, remettre un truc au-dessus, c'est peut-être pas un zin, mais ça m'assure d'avoir au moins une maison à reprendre. Mais ça pardonne pas et pourquoi je m'inteste, tiens, c'est qu'il y a deux versions la turbo combo que tu joues, une version contrôle, celle que j'ai au passage qui est plus vénère en tournoi. Ok, d'accord, ah, je savais pas du tout. Moi bon, j'ai pris genre euh, le premier article euh, qui m'est sorti sur euh, Google. Déjà, tu as gagné 7 pv à mettre 4 tours de plus à ce qui c'est vrai. Non, là il a une beat dans nos trois là. Bon, alors là, je vais faire ça en réponse, euh, mon ami. Hop. Assemble. Et la messe noire. Et euh, c'est tout. Je pensais pouvoir faire des dingueries, mais non. Vous vu, si on n'avait pas remis la messe noire, bon, il y avait quand même messe noire et assemblée, mais il pas grand chose d'autre. Hein. Vous allez vous défausser Oui. Euh, je me défonce de tombe aquatique. J'aurais pu me défausser de voile. Pour lui faire croire que j'en ai plus, mais... La fouille dramatique. Ouais. Ok, voilà, il y a vraiment intérêt à gagner un point de vie ou gérer ma En tout cas, m'empêcher d'attaquer avec. On peut avoir un petit haut qui se balade. My turn. voir. ça lui coûte cher avec mes noirs. moi je peux essayer de recombo ça lui coûte 4 ça c'est bien euh... bleu noir ouais ok mais ce noir Exposé libre. Contresort. Vol de l'été. Ok. Ah on l'a mis dans la sauce euh, avec notre euh, notre combo quand il a fait fetché, il a fait une petite erreur. Et du coup tu m'as dit qu'il fallait rentrer ça aussi. Euh, un tap up type draw? Euh, non, c'est là oh, Pourquoi c'est encore Ouais ouais, mais comme je vous disais, en fait, si, si je gagne parce que l'adversaire fait une erreur, c'est pas que, le, que mon deck bat le sien. C'est que là, euh, il a fait une erreur. Normalement, tu mets un émissaire et trois attaques, ça. Ok. Ça marche. Je t'écoute. Euh, non, moi, j'ai rien dit. Non, monsieur, tu c'était bien si c'est toi qui avais dit. Hein. Dom de luxe. C'est pas, pas dégueu ça. Hein. Je pas la combo, mais euh, j'ai de la saisie, j'ai du voile, j'ai de la messe noire. Ça peut combo deux. Pourquoi pas Il joue des saisies Ouais, je pense que oui. Ouais. On en avait pas vu sur les deux premières games. On va enlever Voile de l'été, je pense. Il m'aura enlevé Saisie si j'en avais qu'une. Oh, que c'est bien pioché, ça. Allez, fais ta mine, toi. Oh, rien pour m'empêcher. Si j'enlève en mainstorm, il en fait quand même un. Du coup, j'enlève ça. Tour d'après, c'est euh, messe noire saisie combo. Et je fais rien. Messe noire. Il y a top deck contre. En vrai, je fais tomber le compte dans tous les cas ce que j'aurais saisi donc. Euh... Il peut brainstorm, fetch, euh, spell pierce. Il y a 4 cartes que je connais pas. Enfin, celle-là, il est trop du dessus. Il y a 2 cartes qu'il ne connaît pas et c'est 2 exposés libres. <laughs> Moi, j'avoue, sur des sorties comme ça, euh, après, il garde avec aucune réponse à ce que je fais. C'est quand même étrange. Moi, je paye de pev. Là, je mets juste Omniscience en jeu et go, et on voit ce qui se passe. Il a top des corquiches, forcément, tu as saisi le tour d'avant. Ah, mais c'est vrai. Oh Un sort ou un permanent rouge ou vert Ah, c'est pour attraquer ça Ok. Je vais enlever ça, ça a l'air chiant. Hop Terminer le tour. Ah mais bah, par contre, faut piocher des trucs bien. On va quand même faire une game avec logiquement Omniscience en jeu. Il aurait dû euh, Brainstorm en réponse. à Shwentel. Il aurait pu trouver un land à mettre en jeu. ça et voilà. Ouais mais si pour gérer Voile il utilise ça de mana c'est enfin, c'est relou parce que Voile c'est très fort hein, mais euh, c'est ok quoi. Attraque ça c'est vraiment relou s'il le fait par contre. Ou son Pierce. Euh, Ou son Pierce ouais c'est vrai. Je sais pas pourquoi il a pas fait ça. Ah ça c'est pas dingue. Ah, typiquement là je si jamais je gagne ce match je gagne potentiellement sur double erreur de mon adversaire donc. Euh... Omniscience versus 150 Counter Spell, c'est parti. Ouais, il peut toujours contrer mes sorts. Hein. Mais juste ces sorts qui me demandent de payer, ça ne marche pas. J'ai beaucoup de très bonnes draws. Oh, lui, il se fait une main de zinzin, là, par contre. Je veux dire le nombre de bonnes draws que j'ai 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai 22 bonnes draws sur, euh, sur 50. Donc j'ai presque une chance sur deux de piocher des bons trucs. Ça n'en est pas. Fais gaffe à ton cimetière aussi, j'ai des noyades. Ouais ouais. Bon, au moins si je. Ah, j'ai plus de bonnes draws maintenant. J'ai. Euh... J'ai. Combien J'ai deux draws de plus. Donc c'est plus 22 sur 50, c'est 24 sur 49. Donc là, on est vraiment sur du 49% de chance. Là, s'il trouve des piocheurs, c'est chiant. Il en avait un qu'on lui avait laissé en sa main. Je sais pas si l'a bottom ou s'il l'a gardé. Ah, c'est un bon piocheur. Ouais. Ouais, sur GK Extraction, ça va être vraiment fort dans le format. Tous les decks Counter Spell, ils sont régalés. Ils font contre, ok, sur GK Extraction, voilà. C'est quoi le plan Attendre d'avoir 3-4 cartes pour le déborder Ouais, euh, attendre d'avoir une fenêtre. Euh, c'est un peu ça. En gros, là, on est. On n'est pas forcément très très bien. Juste qu'on a Omniscience qui peut pas trop bien gérer. Enfin, si, il peut l'Otawara, mais. Ok. Donc maintenant, c'est. Euh... J'ai pu me brainstorm, je crois, non 24 cartes sur 48, on est à pile à 50%. Il y a pris le lenders ça. Oui ça ça va les deux vont au cimetière mais ça coûte 1000 mana pour activer l'un ou l'autre donc il euh... n'y a pas de p. Web. Ouais. voilà notre top deck ça façon, donc si on trouve jamais de, de trucs cool. Ok, c'est un début. C'est une des très bonnes cartes qu'on pouvait piocher. Gravé, c'est pas une c'est omniscience. Euh... Ouais, c'est ça. Mais ça lui coûte cher. Ok. Ça, c'est une autre des bonnes pioches qu'on pouvait avoir. Allez full tape toi. Dommage. Il y a une negate en main donc on sait qu'il y a premier spell qui passe pas. Il prend l'urus. ok c'est pas mal ça il faut dire quoi sur euh, émissaire de serra il faut dire un instant il faut dire créature instant toujours ok ça marche euh, là je peux prendre un vol de l'été hein. c'est cool Je fais ça. Je pourrais fetcher pour euh, trier un peu ma bibliothèque. Oh nice. Là il a sûrement ça plus un counter spell donc il va pouvoir contrer émissaire et ça. Là j'ai défense talismanique. Donc c'est Zorky plus un peu. Il a pas bougé donc je crois que je vais juste dire euh, DAC. Et pas jouer mon émissaire de Serra. on ton voile dans le vide. Là, il va le contrer avec ça. Hmm. Ça fixe égal 0 si tu les payes gratuitement. Et sinon, tu peux y payer avec ton mana. Est-ce que je tente un émissaire de Serra, là Je crois pas, hein. Tranquille. Oh Là par contre il y a moins de counter spell qui marche. Il y en a un mana de moins. Il a ses charmes d'archivage qu'il peut pas caster là. Counter spell. Rah, dommage que je puisse pas exposer libre. Ah j'aurais dû exposer libre pour mettre un émissaire, je suis con. Ah putain ouais ça lui donnait euh, l'occasion de mettre l'urus ou quoi Je fais ça il contre parce que c'est moi qui ai lancé le ouais ouais. C'est ok. Il va chercher sanctuaire, il va reprendre le counter spell qu'il vient de cracher, c'est chiant. Franchement, euh, cette méca, elle est insupportable. C'est un code, non mais instant sur l'émissaire de Serra, il y a des petits spells. Euh, bah, ça me donne la protection contre les instants aussi. J'ai moins de 9 minutes, lui aussi. Non, lui pas encore. Et on voit mal. Je vais chercher un land qui, fait un... qui filtre un peu. Il est à moins que nous, euh, plutôt euh, labyrinthe. Et goût c'était pas mal mais non. Là c'est pas très bien. Et le problème là c'est que du coup il va euh, nous tuer Olurus, en 4 tours. On a toujours beaucoup de chance de trouver des, des bonnes cartes. On a 19 cartes sur 40 euh, qui sont très bien piochées. Bon, il a ça et ça, donc en fait non, je crois que je suis chez Kemats. Ouais. Bon, on joue que Vinland, hein, pour vous dire. Euh... Et là, on peut pas fetcher. Euh... On peut reprendre ça. Je vais le reprendre, c'est mieux que de draw euh, un truc random de la merde. Hop. Tu fais rien se face à double au contre, ouais. Il me faut ça là. Il peut l'exiler de mon cimetière avec ses grippes à la poussière, c'est pas grave. On va payer 4 mana. Je valide mon tour zéro Il me laisse résoudre Il sait que euh, je peux pas faire grand chose de toute façon hmm. Est-ce qu'on veut pas de la pioche là en fait pour le contrer Genre fouille. Ouais, fouille mieux que l'Orienne. J'aurais dû exiler mon cimetière. Ça nullifie un peu ses contres. Le ouais, de l'été protège d'un compte, mais il a compte pour mon premier sort et compte pour mon voie de l'été. Ok. On espère qu'il est pas hors quiche. Il fallait que je passe tomber un contre en fait pour, euh, pour essayer de faire quelque chose. Lance il va contrer. Non je pense que justement euh, il peut en tirer value. Je tente. Le but c'est qu'il réagisse. Mais pourquoi il contre ça Je... Je peux déjà jouer les spells gratuits. Voilà de l'été. Non, j'aurais dû laisser réseau depuis vol de l'été. Ok. Oh, son le match-up est assez horrible. Bon on a pioché vraiment très mal pour le coup, mais... Je pense que le match-up est assez dégueu. On gagne une seule game sur une erreur, donc euh... Au pire, t'es déjà mort. Ouais oh, mais je vois pas... Je vois pas comment il... Parce qu'en plus il a encore du mana et des cartes que je connais pas, genre 5. Donc euh, ça veut dire qu'il est 5 kills en main. 5 fatal push. On sait pas pourquoi. Allez, on est reparti. 2-2. Est-ce que les gens sont prêts Est-ce que je suis nul Un peu les deux. Dimir Control, c'est le deck tier 2 qui compte très bien. Ouais, je pense que c'est pas forcément le meilleur deck, Dimir Control, mais ça éclate Shownel. Euh, en tout cas la version Turbo Combo là. Je sais, je un tel pour mettre émissaire en jeu. Ça le recte aussi. Bah, il a contre émissaire, donc. Euh... Ah oui, parce que du coup, j'aurais pu lancer double spell. Ouais, là, j'ai fait une erreur, j'avoue. Mais encore une fois, c'était sous réserve de. Dans sa main, avec son mana, il n'a pas d'autre contre. Et... C'est un peu dur. C'est bien ça. Oh, du vert. Oh, c'est titan ça. Nickel. Euh, tac fin de tour. Tu vois l'imploser ouais je crois qu'il va pas kiffer. Oh. C'est nickel ça non C'est nickel ça. C'est gagné, tour 2. Cheaté. Oui Shunki, merci de, de me le rappeler. Euh, chercher un bassin d'élevage. point de vie. Mais A moins qu'il qui ait des techs contre ça, mais bon. Je suis pas au courant, je serai le... Le premier surpris. vert je crois que exposé Libre, à part me mettre un pâté de son côté, il va pas faire grand-chose. Mais il a tout aussi, Michel Sweatshop. Ah bah là, s'il a pas de compte, c'est sûr, on est régalé. Et il peut jouer Crozian Grip. Il met en jeu un port, Crozian Grip, en réponse à Matraxa, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas mal, mais je suis pas bien. ok bon rule of flow, il joue en side c'est quoi je vais regarder oh j'ai mon le chat qui m'aide cheater ah oui c'est comme si on s'assourdissant euh... du coup bah, je veux ça pour me libérer et il fait pas grand chose hein, euh, contre nous ça, je peux en es un. Ça, c'est fort aussi. On va pas du matraque ça. Euh, je peux cutter une fouille et une petite saisie. Éventuellement. Go. Je peux tarder à bouger mon beau gnome. Mais je regarde l'MP de temps en temps c'est après c'est ça. Ah, si jamais, ouais. Normalement, j'ai des trucs à faire, mais bon. On peut, on peut discuter une petite demi-heure, quoi. Je pense, cet après. À l'heure du goûter, peut-être. Pas avoir une créa qui détruit un enchantement UTB. En hum. Mmh, bah dans ce cas-là, tant pis. Hein. Euh, c'est dangereux, ça. Hein. On est d'accord. C'est vachement bien, mais c'est dangereux. Ah non, j'ai ça. Bon, c'est bon. C'est très bien. Je regardais que à gauche, que à droite, je regardais pas au milieu. Il était une fouille. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut déléguer à Valandingue <laughs> C'est vrai ça. Hmm. On a trouvé le land en plus, on est Gucci. Gucci Gang. Je paye de pev. Je vais quand même recycler ça. I think. Et un petit bassin d'élevage. Donc on refait pas la même connerie cette fois-ci. On tente pas à assembler l'équipe. On précepte. Ah mais exposé libre c'est pas zinzin là. Je prends un, un tuto. Quand vous allez tuto et que vous savez pas quoi prenez un tuto. Là, voilà, je prends exposé libre parce qu'il y a plus de chances de trouver un truc avec l'assemblée l'équipe. C'est Fruin contre Titan, non Je vois pas trop ce que Titan peut faire à moins qu'on mulligane dans l'oubli et qu'on trouve rien, mais que ça nous arrive deux fois. Attention qu'il y a aussi des games où on combo autour d'eux, donc. hyper euh... un Natural Order. un point et il ne l'a pas. Je vais enlever en Land de l'équation. Hmm. goût je veux pas de ça j'assemble on va essayer de combo autour d'après hein. et j'ai pas d'omniscience Ah oh, quelle merde bah, Attraction. ça hein. Donc on va exposer libre à Traxa en espérant que ça nous trouve euh, Exposé Libre Omniscience. Ça peut nous trouver Exposé Libre Omniscience et, euh... et Ah non, ça ne marcherait pas, merde. Et MS Noir j'allais dire, mais euh, Il faudrait que j'utilise mon dernier mana pour faire trop mana noir, donc je pourrais pas caster. Ah ben bah voilà Qu'est-ce qu'on s'emmerde en défense ça me merde pour rien. Est-ce qu'il a plein de réponses Moi, je sais pas son donc chité. Sortie explosive. Brainstorm. Mmh... Ça et ça c'est nul non Il parté lui. Oh. Je peux messe noir. J'ai 4 mana, mais je vais pas faire grand chose. Ouais, je vais quand même mettre noir. Casse. Je draw. Mais où Fetch. Exposé qui mettra que ça. Ouais, je crois que j'ai pas mieux. Hein. J'ai ce noir mais qui fait rien. Ok. Je peux recycler ça. Ouf. Faut pas qu'il y ait deux points de dégâts de plus, genre pas à garenne. Il y a eu double réponse, c'est bien joué. 8. Yep. Pas de galère. Ah. Dommage, je suis mort. Putain, il, il a fait rien au début, mais il avait vraiment de quoi me recter et me tuer juste derrière, quoi. À moins que je trouve Omniscience. Putain. Je suis désolé, euh, Mishra. À moins qu'il ait encore de quoi me le tuer. En 16 cartes, s'il a euh, Double Titan... Euh... C'est nul. Euh, on va droit 3. Ah. On est peut-être mort, hein. Si on trouve rien qui attrape ça, il faut un tuto. En a-t-on. C'est bon, on a gagné. Hop. Ouais, terrain. Ça, ça. Du coup, là, je fais ça. carte en dehors de la partie. Approche. Hop. Je gagne les PV. Zou. Je prends approche. Ouais. Eh hey, ben. Quel chatte. Quel chatte on a eu. Top deck saké. Top deck sale. Le K est du L, la typo. Top deck sale. Top deck saqué aussi, hein, en vrai. Alors, RPL, le deck. <laughs> Écoute, j'en remets une petite. C'est pour vous régaler, ça. Ça, c'est pour vous faire plaisir. C'est histoire de finir à 3-3 et, et d'être mi-fig. Euh, oui, c'est bien défendu. Hein. Je pensais qu'on avait perdu, là. Après, on se demande pourquoi il y a des, des contresorts. Ah non, je ne me demande pas. Je sais très bien, moi. Je m'envole. Ça marche dans ce lot. À toutes. À ah, toute peut-être. Euh, ouais, franchement. Euh... Alors, très amusant le deck en vrai. Mais euh, ça me donne pas envie de jouer dans... en timeless actuellement. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de peps quoi. Je sens la vidéo qui va arriver dans la semaine prochaine. Ah, c'est possible en dessous. Ah, je peux pas euh, tuto là. Non, c'est mulligan ça. Ça c'est mieux. Je peux peut-être faire ce combo. Je crois que j'ai les mes ménages. Oh, ça me plaît ça. C'est bien mou comme il faut. Je peux combo avec mes noirs tour d'après Je fais mes noirs précept. Ah non, putain, il me manque un mana. Moi, ouais, je veux 3 landes, je crois. Ah, ok, c'est Hammer. Alors, ça, ça peut nous tuer très très vite. Donc, pour le coup, c'est pas un match-up. Il euh, faut aller très vite, quoi, contre lui. Je paye 2 points de vie. Je vais précepteur. Euh... Exposé libre pour jouer omniscience, l'orine révélée en espérant trouver du, euh, du fuel sur les 4 qu'on aura. Oh What Ok. Oh je m'attendais pas du tout à ça. Donc juste une forge qui arrive bientôt pour que ce soit plus consistant. Ok. Oh le spell pierce là il m'a bien trapé. Ok. Je peux draw 3, faire piocher un, c'est pas très grave. Enfin, il ce tour dommage, ouais. Ah, mais je pensais pas du tout que ça jouait le Pierce. Pour moi, c'était euh, genre euh, quasi mono-blanc, euh, un peu combo. Enfin, carrément combo même, je je pensais pas du tout. Après, il fallait qu'il les, je sais pas s'ils si en jouent 4. Je crois que je vais draw 3 là, c'est pas mal. Hein. chercher une petite île. On va rester haut en PF quand même. Messe noire. Oui, oui. Euh, je refuse. Je crois 3. Mmh, ouais. Je suis un peu les portées par le vent naze. Il fait une très bonne sortie, donc s'il n'a pas la combo, c'est pas étonnant, entre guillemets. Ok, on va remuer mes nous On le zipioche. Ok, on trouve le tutor. Il tutore. Euh, ça. Et ça, ça dégage. Non, on peut saisir et combo. Ça nous coûte beaucoup de cartes, mais on peut. Il faut enlever ça et... et ça en fait. Hop. On perd 5 PF quand même dans le tour. duck. Du coup, je perds pas mes pèves. Il a encore Pierce, bien joué. Euh, là, il me faut noir. Je peux aller chercher juste un marais. Économie de points de vie. Encore Pierce. Ok, on est pas mort. On a un. Euh, ouais, je fous le tape là, donc on tente d'exposer libre. 11, 12, 13. Je <laughs> sais pas si. Ouais, il peut en avoir un autre. Or, ni tout ça marche pas. Urkis, ça marche pas. Ah, si, parce qu'il peut l'équiper gratuit, même malgré l'arme vivante. Ah, ouais, il peut l'équiper gratuit. Je qui empêche de concéder. Ok, bien joué la sortie qu'on qu s'est pris là il avait euh, anti-discard euh, spell pierce et tout il était paré j'ai fait une petite erreur parce que je connaissais pas la décliste c'est fatal ça va être bien contre lui ça peut-être aussi j'ai jamais joué contre 3 ouais, franchement c'est stylé, bah, ça vient d'un deck moderne qui malheureusement est... est trop faible pour le moderne mais là peut-être niveau tempo ça marche bien je connais pas aussi donc je peux pas trop aider il a un plan de jeu euh, bah, combo, marteau, mettre 11 donc les, les push ça va être bien saisie c'est pas trop, trop fort contre lui je crois que ça non plus j'ai peut-être pas envie d'en avoir 3 à quoi que ça c'est encore moins bon J'en mets que deux. Jouer en flash. Euh... À moins qu'il ait beaucoup de contre en side. Genre dispute mystique et tout. Je pense qu'il peut revenir en moderne le pack. Un peu dur quand même, mais... Euh... Mais il peut avoir des bons ajouts, remarquez avec MH3, ça c'est sûr. J'ai push, j'ai de quoi tuto euh, ma combo. On va pas trop en demander, hein, au deck, hein. On est déjà bien servi là. Ah, je garde ça au cas où Non, je crois que je dois bottom, malheureusement. On n'a pas de carte qui l'écrase, vraiment, donc. Euh... On va juste tenter de combo. Hein. Yes. Mmh. Je lui fais draw une carte, mais je suis sa sentinelle. Ça me demande pas du tout de passer du coup. En même temps, je pouvais pas payer. Manque Caldra Complete et Stoneforge pour les épées. Avec les épées et Urza Saga pour être vraiment bon dans le fromage, je trouve. Moi euh, ouais, tu jouerais pas les épées, je pense, euh, dans, dans Zekla. Caldra Complete et Stoneforge, oui, mais, mais pas les épées. Urza Saga, par contre, ouais, c'est un gros manque. Oh! Chimana bleu up. On va pas se prendre Spell Pierce. On peut, hein, mais on va pas. Ah, je peux faire ça, c'est rigolo. Je peux faire ça là-dessus. Pour qu'il se pierce. Et derrière, je peux fetcher pour assembler l'équipe. Ne le fais pas. Je vais aller chercher le land Vert bleu qui, euh, qui fait un peu de sélection. En ito. C'est bien d'avoir des landes justement contre lui. La bien, de haie. Je vais tenter de trouver autre chose. Ça, c'est pas bien. Je prends pas Spell Pierce. Je vais tenter. Le Surveillant de Gauthier. Ah, de fou. Euh, il me laisse résoudre. Donc là, je vais chercher un peu ce que je veux. On en est où de... Ah on pourrait se prendre une fouille temporelle. Et en même temps, tour prochain, je prends plus Spell Pierce. Soit exposé libre. Si j'ai un Land. Bah c'est une, une petite plus-value en fait. C'est vraiment pas gênant d'avoir un petit surveillant ou deux qui traînent. Et euh, ça te permet de mettre au cimetière. Quand tu des cartes comme euh, Fruit Temporel, c'est vachement bien. C'est un mana qui te donne un mana de plus, techniquement. Je prends le risque d'être Bindstormlock. Je le suis. Oh! Yes. Non, j'aurais dû mettre inverse. Bon, c'est pas grave. Je tente messe noire. Exposé libre. Ah. Oh. Je vais éclaircir aussi. Du coup, je vais push ça. Et on sait qu'on a deux tours sans land. Donc on prend Spell Pierce très fort. Bon après l'adversaire fait vraiment rien. Là il est en mode UI de contrôle. Hein. Passe. S'il fait rien comme ça, c'est qu'il y a des, des solutions évidemment. Enfin, des réponses. Ok, land, tambour. Moi je ça que bien contre certaines de ces bêtes. Contre ces combos notamment. Okay. Fetched. Bah c'est le fait que euh, genre un temple typiquement c'est moins bien parce qu'on peut pas aller les fetcher. Là comme on peut aller fetcher c'est mieux. Si c'était le même type mais genre il n'y avait pas de type plein et il par exemple, on jouerait pas les surveillants. On en jouerait un par-ci par-là mais... C'est tout quoi. Bon, écoutez, fin de tour. On va casser ça. Je vois pas trop comment je meurs là en faisant un exposé libre, donc je vais faire tomber un contre. Ça va passer pour de l'impatience parce que je trouve pas mon land. Ça peut passer pour de l'impatience. Le spell pierre, ça on le savait. Il n'y a pas de pause parce qu'il y a fraction de seconde. Oh, si je trouve l'Anne, je retente d'exposer libre. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut l'équiper tour d'après. Mais ça ne me tuera pas. On va tenter, hein. Ok. Euh, alors s'il a un truc qui casse, si je pourrais quand même euh, poigne euh, son marteau, au pire des cas. Quinze ça ne peut pas lancer de sort non créature avec une valeur de main supérieure. D'un ah ouais bah ouais, la vigna, ça nous casse bien les couilles. Ça nous permet même pas de casser Atraxa si on avait cette lande. T'es le genre de mec qui se poigne le marteau. Ah lui il se poigne le marteau fort il va ouais. Oui. 12. Je casse le marteau, mais le truc c'est qu'il nous a mis 12 quand même. C'est pas que les sorts de mon créature. Euh, la deuxième partie, non. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour lancer, contre carré. Tu peux pas. Comment ça, je peux pas. Je... Si, 3 mana, je vais casser ça. Du coup, on va fêcher par contre. Ah, on l'a plus. Merde. Mais je peux reprendre un truc. Je peux reprendre push. Ouais. C'est pas mal ça. Rigueur. C'est fatal. Oh, push, push ça marche pas parce qu'il y a ça, mais il faut au moins tuer la donneuse de rune. Et... et après on voit quoi. Alors... J'aimerais faire ça et ça, mais je peux pas. Avec fraction de seconde, ça peut quand même se faire contrer par l'effet de l'Avinia. Euh, je crois que oui. Et tiens, je te casse ça. Vraiment dommage. Hein. À quoi qu'il a plusieurs protections Mais non merde, je me suis trompé. Non putain... Je me suis trompé, c'était à gauche, il fallait cliquer. Ah, oh, je suis vraiment débile. Magic Arenade. Ah, c'est moi qui clique mal, mais genre... C'est de la manipulation de logiciel, là. C'est pas d'erreur de, de jeu. Fais chier. Ah. Mais il est fou. Lopo, si j'ai anti bête, euh... C'est gain. Putain on s'est fait deux Z quoi. À ah, la première sur une petite sur une non-connaissance du, du, du deck en face. La deuxième... Oh je suis mort quand même en fait, je pioche Land. Rip. En vrai si je tue sa bête, il me met deux et deux et je suis mort parce que j'ai trouvé land. On n'a pas pioché euh, très très bien. Oh quel dommage. Et vous avez vu d'ailleurs, je crois que c'est la c'est sa dernière carte, comme le pauvre l'autre fois qui nous a fait juste euh, la carte qu'on ne connaissait pas. Pouf Je vole ton omniscience. Salut méga 83 Eh ben écoutez, Show and tell, on finit à 3-3 et c'est bien comme ça. Parce que les gens qui, euh, qui détestent, et je vous connais dans le chat, hein, euh, au moins pourront être rassurés. Bon, je n'ai pas joué de manière optimale non plus, hein, c'est la première fois que je jouais. Mais c'est pas non plus zinzin, quoi. Il y a des moments où ça brille, il y a des cartes de side qui défoncent le deck complètement. En plus, j'avais rentré les cartes contre son side. Ouais, après, c'est vrai que là, j'ai tenté. Du coup, il a mis la carte qui contre notre omniscience. Et quand ensuite, moi, je peux pointe Crozian, j'ai déjà pris. Je suis à 17, j'ai pris 13. Ouais, bon, c'est un peu tard, quoi. Je me suis fait publier, je sais pas si as vu mon message. Ah, j'ai pas vu, non, mais Sir Jack, coucou à toi. Coucou Mogo, ça fait quoi après le stream petit café Eh non, je peux pas aujourd'hui, euh, Mr Jack. J'ai euh, un collègue qui passe euh, dans pas longtemps, récupérer un truc chez moi. Après, j'ai du boulot et, euh, et fin d'après-midi je décale, donc euh, je peux pas, je peux pas aujourd'hui euh, malheureusement. Semaine pro, on essaie de se, de se faire ça. Là, je, vais, euh, je fais pas le tournoi vendredi euh, DC, je fais, euh, je fais euh, tournoi popé en ce vendredi. Cherche si, mon deck. Bref, YouTube, ça conclut cette vidéo. Euh, et Twitch, ça conclut ce stream tout en même temps. Je vais aller manger. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peut-être pour YouTube. Très bonne journée pour Twitch. Très bonne journée pour YouTube. Je ne sais pas comment vous regardez cette rediff. On se retrouve très bientôt. Peut-être que je vous fais un petit stream euh, semi-surprise euh, pour sliver mon petit deck popper euh, et parler un peu du, du format ou de choses et d'autres. Euh, si ça vous dit euh, jeudi ou vendredi, si je reçois mon deck. Si je ne reçois pas mon deck, je... Pas vous streamer le, le stivage du coup je pourrais pas pour tester ma chapeau de raffine, exactement à uh, lolo euh, du coup des bisous on se retrouve très bientôt pouce bleu commentaire partage mon nom pour youtube et surtout n'oubliez pas c'est de la belle magie ciao tout le monde